Bonjour à vous les béliers, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies relationnelles et sentimentales pour ce mois d'août 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder un petit peu voilà, ce que vous disent les cartes pour ce mois d'août sur le plan relationnel et sentimental. Donc on va regarder ça. On va commencer avec un message des accords Toltec au quotidien. Et puis on va développer vraiment avec les oracles et les tarots. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, prenez vraiment ça avec des pincettes, c'est-à-dire que ici je propose cette vidéo donc pour les énergies bélier. Donc si vous êtes du signe bélier, ascendant bélier, ou si vous avez votre signe lunaire en bélier, ça peut vous concerner. Mais évidemment, ce n'est pas forcément, vu que c'est très général, c'est pas forcément évident que ça vous parle. Ça parle à tous les béliers, hein, évidemment. Donc si ça ne vous parle pas, consultez votre signe ascendant ou votre signe peut-être lunaire qui pourra vous apporter plus d'informations. Voilà, allez. Donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous, hein. C'est ça le plus important. Si ça vous parle, c'est que le message doit être vraiment pour vous. Allez, pour les béliers, ascendant bélier, lune en bélier, sur le plan relationnel et sentimental. Pour ce mois d'août, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous les béliers? Alors, il y a tout qui tombe. Ok. Je rappelle aussi que pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Vous avez le lien dans la barre d'infos de la vidéo. Allez, pour les béliers. Une, ce serait bien. Ok. Je prends un temps d'arrêt pour me féliciter de tout ce que j'ai déjà dans ma vie. Ce temps de gratitude m'aide à réaliser ce que je suis au temps présent, sans être dans la frustration de penser toujours à un être en devenir qui n'existe pas encore. Je comprends alors que c'est parce que je suis détendue que ce que je veux manifester arrive. Oui, il y a un besoin de relâcher un peu la pression ou la notion de contrôle, hein, pour vous les béliers, hein. Là, on vous invite vraiment, avec ce message-là, de... voilà, de souffler un petit peu et de vous détendre et d'éviter de trop vous projeter dans l'avenir. Voilà, profitez plutôt de l'instant présent pour ce mois d'août par rapport à vos relations ou en tout cas votre vie relationnelle. Ok. Qu'est-ce qu'on vous donne? On va regarder ici un message de l'oracle chakra du cœur. Donc pour les béliers, ascendant bélier, lune en bélier, relationnel et sentimental. Ok, vous avez la prise de conscience de ton âme sœur. Alors ici, on vous parle de quelqu'un. Alors ça peut être quelqu'un de proche, en tout cas, ou quelqu'un à laquelle vous pensez beaucoup. Ça peut être une relation familiale, amicale ou sentimentale. Mais en tout cas, c'est quelqu'un que vous avez dans votre tête. Et là, on vous dit que, effectivement, par rapport à ce que vous souhaitez, par rapport à ce que vous désirez le plus, on vous invite à relâcher la pression, à être moins dans cette notion d'attente, mais plutôt d'être dans l'accueil de ce qui va venir. Parce que là, on vous dit que votre âme sœur, ou en tout cas la personne à laquelle vous pensez beaucoup, va prendre conscience de quelque chose et va pouvoir vous apporter peut-être ce que vous attendez. Voyez ? Donc là, on vous invite, par rapport à ça, à vraiment relativiser, relâcher la pression, ne pas être dans cette notion de contrôle ou d'attente ou vouloir absolument obtenir quelque chose et forcer les choses, mais soyez plutôt, voilà, dans l'accueil de ce qui peut arriver. Ok. Très bien. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Avec l'oracle de l'esprit animal, pour les béliers, ascendant bélier, lune en bélier, pour la période du mois d'août. Waouh! L'esprit du cheval, la liberté vous appartient. Donc là, on vous rappelle que vous êtes libre de choisir, de décider, hein. Vous avez toujours le choix, vous n'êtes pas obligé, parce que l'autre veut ceci ou l'autre veut cela, de se plier aux exigences des autres ou de l'autre. Là, on vous dit toujours, rappelez-vous que la liberté vous appartient, rappelez-vous que vous avez votre libre arbitre et que si vous décidez de faire machine arrière, vous le pouvez. Si vous décidez, par exemple, je ne sais pas moi, de... voilà, vous êtes libre, quelque part, de faire vos choix en conscience. Et là, j'ai l'impression qu'on vous invite vraiment à relâcher la pression et à faire en sorte que, voilà, laissez peut-être l'espace aussi à votre partenaire ou à une personne de pouvoir aussi vous montrer ou exprimer quelque chose, hein. Parce que là, on parle d'une prise de conscience, donc je pense que ça travaille au niveau, voilà, si la personne est un petit peu...
a besoin d'un peu de réflexion, a besoin d'un peu de temps, a besoin d'un peu de quelque chose, laissez-lui parce que vraiment, il y a la possibilité d'une prise de conscience importante qui pourrait vraiment vous apporter ce dont vous désirez. Donc là, voilà, on vous rappelle que vous avez le choix. Alors, l'esprit de l'araignée qui vous dit faites que vos rêves deviennent réalité. Bah oui, si vous voulez que les choses deviennent réalité, il va falloir aussi accepter quelque part de laisser l'autre choisir, décider aussi. Hein, parce que la liberté vous appartient à vous, mais elle appartient aussi à l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a vraiment cette notion de relâcher la pression, de lâcher un peu le contrôle sur ce que vous aimeriez et être dans l'attente et vibrer un petit peu le manque et la peur, plutôt que d'être « Ok, je suis en confiance et je verrai bien, je fais confiance à la vie et je verrai bien comment les choses vont se dérouler. » Mais avec cette carte-là, la prise de conscience de votre âme sœur, j'ai vraiment le sentiment que les choses vont s'arranger, que les choses vont vraiment, ce dont vous rêvez va forcément venir jusqu'à vous. Voyez, parce qu'on parle de manifestation hein, qui arrive pour vous. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va regarder avec le tarot. On a avec le Gilded Tarot Royal pour vous les béliers, ascendant bélier. Donc dans quelle énergie vous rentrez dans ce mois d'août, les béliers? Par rapport à une situation, une relation. Alors, on vous parle ici de la 10 de denier, ok, qui peut représenter ce que vous avez déjà construit, votre famille, la sécurité matérielle, financière, familiale. Ici, on vous parle d'aventure, peut-être de déplacement, de déménagement, de mutation pour certains, ok. Et ici, on vous parle de reine de denier, ok. Bon, moi, j'ai l'impression, les béliers, que vous êtes plutôt dans une dynamique de sécurité. En fait, vous cherchez à sécuriser un petit peu vos biens ou votre situation, hein, parce que c'est pas forcément lié aux biens. Ça peut être aussi une sécurité affective. Et peut-être que vous cherchez justement à sécuriser quelque chose. La 10 de denier parle effectivement de sécurité, et la reine de denier parle aussi. La reine de denier, elle aime bien... vous savez, c'est l'énergie de sérénité. Elle cherche à se sentir sereine par rapport à des situations en général très concrètes, hein, très peut-être matérielles, financières, mais aussi dans ses relations. Il faut qu'il y ait du concret, il faut qu'il y ait peut-être de la confiance, ou en tout cas des preuves, des témoignages, des choses qui rassurent. Et moi, j'ai vraiment cette sensation ici que vous cherchez à être rassuré ou à rassurer l'autre, hein, c'est possible aussi. Bon, avec la 3 de bâton, j'ai vraiment l'impression que vous cherchez aussi à vous ouvrir. On est sur une forme d'ouverture, de découvrir peut-être de nouveaux horizons, de nouveaux départs, de nouveaux projets. Peut-être que vous avez envie effectivement de voyager ou de déménager ou de vivre ailleurs ou de... voilà. Et pour moi, vous êtes vraiment pris dans une situation où vous cherchez à calculer, à assurer vos arrières pour être dans quelque chose de confortable et de sécurisant. Ok ? Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ? Quels sont les conseils à suivre pour vous par rapport à cette situation-là? Qu'est-ce qu'on vous conseille de faire par rapport à cette situation? Ok, 6 de pentacle, soleil, très bien. On vous invite à être positif et positive, oui. On vous invite en tout cas à saisir l'occasion de voir les choses d'une manière beaucoup plus positive, beaucoup plus lumineuse. Le soleil vous apporte vraiment la vitalité, la joie de vivre, l'envie aussi. Et d'ailleurs, ce chevalier de bâton aussi, lui, il suit ses envies, il suit son instinct et il va aller faire ce qu'il a envie de faire pour expérimenter quelque chose. Bon, la 6 de pentacle parle encore une fois de notion d'équilibre. C'est-à-dire que vous êtes peut-être concentré effectivement sur peut-être votre situation professionnelle ou matérielle qui vous demande peut-être beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, et là on vous invite à rééquilibrer quelque chose, à ne pas trop justement vouloir contrôler une situation à tout prix, à ne pas vouloir trop bloquer les énergies, parce que ça pourrait vous empêcher d'être optimiste et de voir les choses du bon côté et du coup de passer à côté de quelque chose, ou en tout cas l'idée ici que quelqu'un pourrait ne pas voir réellement ce que vous désirez, voyez, peut-être envoyer un mauvais signal. Donc là, ce qu'on vous invite à faire, c'est vraiment c'est d'avancer. Voilà, c'est d'avancer de manière optimiste, mais surtout de garder un équilibre, toujours
une notion d'équilibre. Peut-être en lien aussi avec votre gestion du temps aussi, je pense à ça, parce que les deniers peuvent aussi avoir un rapport au temps. Et si vous êtes trop pris dans vos déplacements, dans le boulot, dans quelque chose qui fait que vous êtes concentré sur une situation en particulier, eh bien vous pourriez passer à côté effectivement d'une relation de quelqu'un ici qui pourrait justement s'intéresser à vous, ou en tout cas avoir envie de passer du temps avec vous. Hein. Ok, qu'est-ce qu'on vous donne? Alors, les défis à relever pour ce mois d'août sur le plan relationnel pour vous les béliers, donc les défis à relever, des éventuelles difficultés, page de pentacle, ouais. C'est l'état d'esprit, hein. Ouais, c'est l'état d'esprit et la notion de contrôle. Vous voyez ce roi de pentacle? Ce roi de pentacle, il parle de... Pareil, c'est la personne qui gère, c'est la gestion. Vous êtes beaucoup dans les deniers, dans les pentacles. Vous avez peut-être besoin justement de sécuriser vos arrêts ou de vous sentir en sécurité. Et ce roi de denier, lui, il sait comment faire justement pour être dans cette posture-là et pour vraiment contrôler les choses. Mais là, on vous invite à ne pas être trop contrôlant ou contrôlante, mais surtout de réussir à être optimiste et être plutôt dans un état d'esprit positif. La 5 de coupe ici vous parle effectivement de voir toujours ce qui vous manque, de voir toujours ce que vous n'avez pas, ce que voilà. Et si vous continuez à nourrir cet état d'esprit là, alors forcément vous allez passer à côté de quelque chose. Hein? Donc là c'est vraiment le besoin de lâcher prise, de lâcher le contrôle, les peurs aussi. Les angoisses, les choses qui vous font peur, les attentes aussi de voir que bah, l'autre peut-être a besoin de temps de réflexion. Donc là, on vous invite vraiment à surtout ne pas, quelque part, ne pas chercher à contrôler les choses, ne pas chercher à forcer quelque chose aussi, mais plutôt d'être dans l'optimisme, dans l'idée de vivre un peu plus au jour le jour aussi, hein, et d'être un peu moins dans les projections de l'avenir pour l'instant. On vous dit que la personne en face de vous va prendre conscience, mais il lui faut du temps pour que les choses se mettent en place. Donc ne soyez pas trop pressé, ne soyez pas trop dans le contrôle. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit? Comment les choses vont se dérouler pour vous? Alors, on parle de communication avec tempérance. On parle également de changement, donc de mouvement avec la roue. Hein, donc il y a du mouvement ici, très bien. Waouh! Et la 9 de coupe. Très, très bien. Bon. Alors, si vraiment vous arrivez à lâcher prise sur cet état d'esprit un peu négatif, sur la peur du manque, sur vraiment cette notion d'être vraiment un peu désespéré, d'être tristouné ou tristounette par rapport à une situation, une relation ici, on vous dit non. Soyez dans la joie de vivre. Soyez dans le sourire. Si vraiment vous attendez que quelqu'un, par exemple, je ne sais pas, s'intéresse à vous, si vous êtes célibataire, il y a vraiment cette notion de montrer votre meilleur profil, soyez dans la joie, le sourire, apporter vraiment, rayonner. Hein. Le soleil, c'est les rayons, c'est forcément, ça embellit et ça touche les autres. Donc là, c'est comme ça que vous allez vraiment faire prendre conscience à la personne à laquelle vous pensez quelque chose d'important, quelque chose que vous désirez. Voilà. Et là, on vous dit que si vous arrivez à maîtriser toutes ces émotions durant cette période, alors vous allez réussir à trouver un juste milieu, un compromis. Tempérance, c'est l'art du compromis. Vous savez, c'est on pèse le pour et le contre, on met un peu d'eau dans son vin, on essaie de trouver le juste équilibre pour pouvoir faire basculer la roue dans le bon sens et pour pouvoir obtenir ce que vous désirez et ce que vous souhaitez. La 9 de coupe, c'est l'épanouissement personnel. Donc voyez, vous êtes à deux doigts d'obtenir quelque chose que vous désirez, mais maintenant, il va falloir le faire de manière quelque part intelligente et ne pas vous laisser submerger par la peur d'être déçu ou la peur de... Ouais, voyez, d'être dans l'attente de quelque chose qui ne vient jamais. Donc forcément, on nourrit la 5 de coupe lorsqu'on est comme ça. Ok, bon, il y a un besoin de rééquilibrer votre optimiste, en fait, les béliers. Hein. Allez, on va voir quel est le message ici. De l'oracle messager de l'amour pour vous les béliers, ascendant bélier, lune en bélier pour ce mois d'août. Très jolie carte. Alors, vous avez l'unique, l'attachement, la subjectivité, la conscience. Tu peux croire qu'il ou elle unique, le ou la seule à pouvoir te trouver beau ou belle et à t'aimer. Mais qu'en est-il vraiment ?
Tu en es sûr qu'il ou elle est le seul à pouvoir te rendre heureux ou heureuse et à t'offrir une belle relation? Tu as flashé sur lui, il fait partie de tes pensées quotidiennes. Si tu ouvres les yeux, tu verras autour de toi que d'autres personnes te regardent et ont aussi envie de te rendre joyeux ou joyeuse à leur manière. Ne sois pas fixé sur un seul homme ou une seule femme. Le prince charmant n'existe pas. Voilà, donc, attention à ne pas focaliser votre attachement sur une personne en particulier. On vous invite à ouvrir l'œil. Il y a quelqu'un, vous voyez, il y a quelqu'un ici pour laquelle vous ne passez pas inaperçu. Et si vous êtes en couple, il y a l'idée ici aussi de trouver un moyen de vous sentir un peu moins attaché à l'autre et à essayer de vous donner aussi de l'importance. Voilà. Hein, voilà. Vous aussi, vous pouvez vous aimer, vous pouvez vous trouver belle, vous pouvez effectivement vous faire plaisir, mais sans être tout le temps dans l'attente de ce que l'autre va vous apporter. Voilà les béliers, j'en ai terminé avec votre guidance. J'espère en tout cas que ça aura résonné pour vous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer un excellent mois d'août. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.